J'aime bien partir à Montréal l'été et je me suis rendu compte que le harcèlement de rue n'existe pas là-bas. Ça n'existe pas. Tu peux marcher dans la rue comme tu veux, personne ne te dira rien. Tout ça pour vous dire que c'est une question d'éducation, en fait. Cet été, je suis repartie à Montréal, je suis arrivée un lundi, le mercredi, je rencontrais un Québécois parce que moi, j'ai pas trop de temps à perdre dans la vie. Et on est en train de coucher ensemble et en fait, j'ai dû lui demander de me mettre une fessée. Et il m'a expliqué qu'il ne le fait pas si la femme ne lui demande pas. Mais moi, en France, je n'ai pas l'habitude qu'on me respecte. Après, le harcèlement de rue n'existe pas là-bas, mais j'ai quand même assisté cet été. Une fois, il y avait une femme qui marchait, elle était habillée. Et il y a un homme qui arrive et il fait « Wow !» Voilà, il n'y avait pas de mots. Et elle était contente parce qu'elle n'avait jamais entendu ça. Il a dit à ses copines, t'as entendu ? Oui, tout le monde avait entendu ce cri animal, oui, sans mots derrière. C'est-à-dire qu'ils sont tellement en retard sur le harcèlement de rue qu'ils n'ont pas encore les mots. Alors qu'à Paris, quand ils te le font, ils ont l'impression de te rendre service. Moi, il y a un gars, il n'y a pas longtemps, je rentrais chez moi le soir, et il me dit, ça dérange si je te raccompagne chez toi ? Oui. Là, il me dit, non, mais comme ça, il n'y a personne qui va t'embêter. D'accord. Donc en fait, pour lui, la solution au problème, c'est le problème. Il voit que je suis pas partante, et là, il a tout donné. J'ai été élue Miss Univers. Le titre est tombé. Il m'a dit, comment ça se fait que Miss Univers rentre toute seule chez elle ? Désolée les filles, élue par un jury d'une seule personne. Et il sent que c'est mort. Et là, il a joué sa dernière carte. Et il m'a dit, tu vas pas le regretter, je vais te faire tout ce que les femmes aiment qu'on leur fasse. Et j'avoue, j'ai réfléchi 2 minutes parce que j'aime beaucoup quand on fait ma vaisselle. Merci de m'avoir écoutée.